Les vendredis 12 et samedi 13 mars 2022, les motards de Côte d'Ivoire ont pris leur quartier dans la capitale politique Yamoussoukro. C'est l'hôtel des parlementaires qui a ouvert ses portes aux professionnels de la moto. Des représentants de clubs venus des différentes villes du pays ont répondu à l'invitation de Black African Riders, dirigé par M. Patrick Anaé, qui organise l'Ivorian Bikers Festival, un festival dédié à la moto gros cylindre. Prévu se tenir du 4 au 6 novembre 2022 à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro, Ivorian Bikers Festival est un événement majeur qui offre à plus de 10 000 acteurs du monde de la moto une plateforme de rencontres, d'échanges pour un partage d'expériences et mieux faire connaître l'univers de la moto et des motards. Les enjeux de cet événement festif et ludique ont été expliqués aux représentants de plus de 25 clubs afin d'obtenir leur adhésion pour l'organisation sonore. Plusieurs articulations vont meubler ce festival continental. En effet, des motards de la sous-région sont annoncés. Au nombre des activités, l'on peut citer entre autres des ateliers, parades, concours, démonstrations et concerts live. Plusieurs autres rencontres d'échanges de ce genre vont se succéder avant le rendez-vous tant attendu du 4 au 6 novembre 2022 à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Et l'Afrique Rider est une idée qui a évolué il n'y a pas longtemps de cela, depuis les années, IDF plutôt, excusez, qui a été créé depuis les années 2017. Et l'idée a été évoluée de la fois avant cela par le directeur général ici présent, Patrick Allié. Et IDF, c'est un festival. Et ce festival a pour objectif de réunir tous les motards de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et pourquoi pas du monde, afin de pouvoir créer un lieu d'échange, de partage, de création entre les acteurs de la moto. Espérons que ça ne va pas rester en suspens, mais on va continuer de se parler, hein, continuer de se parler dans d'autres rencontres, dans d'autres réunions, pour le bien-être du motard en Côte d'Ivoire en particulier et de façon générale, pour le domaine de la moto en Afrique. Et puis après, on va faire une photo de famille et puis on va se dire au revoir. Alors pour tous ceux, on a un clip à tourner, pour tous ceux qui veulent figurer dans le clip. Je pense que Iber a parlé, où on a pris un artiste, c'est toujours dans le cadre de la promotion d'un moto. On lui a demandé de donner des textes pour que les gens apprennent un peu plus sur le motard. Ok? Et c'est découpé décalé. Donc, il est venu pour le tournage, pour tous ceux qui veulent figurer, avoir le souci. Maintenant, bon, je pense qu'il y a certains qui ne vont pas écouter. Si vous voulez écouter d'abord aussi. Moi, personnellement, pour figurer, d'ailleurs, j'écoute d'abord. Écoutez. Vous avez écouté? Oui, écoutez, mais avant. Toi, tu dis que c'est bon, mais ton oreille n'a pas son nom. Très bon, mais pas bon. Il chante bien, mais il chante pas bon. Il chante pas bon. D'accord.
Donc, ceci étant, je vais lever la séance. Et puis, merci encore à vous. Comment faire la photo de famille? Je suis Kanté Sekou, pour les intimes Cheikh. Je suis le leader de Vintage Motorcycle Club. Voilà, et tout à l'heure, comme je le disais à mes gars, c'est une très bonne initiative. Voilà, quelque chose qui vient mettre de l'ordre dans ce que nous avons toujours voulu et souhaité. Nous ne pouvons que apporter notre soutien, voilà, à tous les niveaux que ce soit. Voilà, physique, moyen, humain, matériel et tout. Voilà, parce que l'organisation vient de nous démontrer ici à travers cette étude voilà, qu'on a besoin d'un leader pour essayer de faire avancer les choses. Issouf Diaby, je suis membre du club NRA. Je suis venu représenter ici le club NRA à travers mon président Samba Diallo. Alors pour moi, c'est un plaisir d'avoir été convié à cette rencontre et je pars très enrichi. Et je pense que j'aurai de bons retours à faire à mes frères de moto. Voilà, en tout cas, merci pour cette vision que vous avez. Merci pour la continuité. On espère qu'à travers cette rencontre-là, on aura quelque chose d'assez costaud pour la Côte d'Ivoire en termes de moto. We'll be right back.